the French president and myself that we hold together towards the end of this year. At the beginning of this press conference, I would like to express my deepest sympathy to the French president and to the whole of the French people because of the very severe car accident, bus accident close to the Spanish-French border. I was deeply moved to hear of the plight of the families, and I wish the speedy recovery to all who have been injured, and my deepest condolences to the relatives of those children who perished. This year, I must say, on taking stock now of the European Council, we have made quite significant progress on the basis of Bratislava and also the celebrations on the signing of the Treaties of Rome. We intended to improve our capacity to act, both as regards the way that the Union presents itself to the outside world and also as regards what we do internally. I would like to thank Emmanuel Macron for the fact that right after he resumed office after the election, he established a very close relationship with us, one that is based on a spirit of collegiality and friendship, and indeed solutions for Europe can be found most of the time when Germany and France stand together and when we forge a common position, not because we want to dominate others, but simply because if France and Germany cooperate, we make progress. We had one example yesterday for a deepened cooperation that we wish to bring forward. Yesterday, PESCO was introduced. It was an enormous step forward, which was prepared both by Germany and France. And we were able, indeed, to close something that I would consider a historical gap in our defense capacity. It shows that we have a willingness, a capacity to defend ourselves, to forge a common security policy, which was confirmed yet again by the NATO Secretary General. Also, that this is not considered as a sort of counterpoint to NATO policy, but as a necessary complement, also a something that enables the European Union to act together and in unison in defense, on foreign policy, in development cooperation, and that plays a role on the second issue that we loomed large on our agenda yesterday, migration. We were in large agreement as regards our engagement in fighting illegal migration, trafficking, as regards also tackling the root causes of flight. We had this meeting in Paris just now. Partnership with the Sahel countries is something that was on the agenda then. We are not so in agreement as regards internal solidarity on the migration issue. What we cannot accept is that in most areas, if not in all areas, we show solidarity as partners in the EU, and then there are areas where solidarity is not shown. That is something that I find not acceptable. Now, we also discussed the future of EMU. The president of the European Central Bank pointed out yet again that the European Monetary Union and the member states are right now in a very favorable position. After years of crisis, we now are able to record growth. There is a growth also in the number of jobs created, but now is the time also for structural reforms. Also the time for further promoting EMU. There are proposals to this end on the table. Yesterday, I talked to the French president that by March, we want to have a common position on this. We want to have a convergence of our positions, which is most important for further development of the European Monetary Union. We, and the Economic and Monetary Union, we want to see to it that our finance ministers develop a master plan for this. And Mario Draghi yet again called on us to push through structural reforms. This is happening in our countries, and I would like to congratulate Emmanuel Macron on the steps that he has taken back home. But as I see it, it would be very important for us to come really to a true economic and monetary union in the sense that our competitiveness is enhanced, that research and development and digitalization are more integrated, our efforts, our policies in these areas in the future, that we achieve
achieve more of an economic convergence among member states. And we will also have to talk about how the whole of the institutional structure can be rendered fit for the future so that, indeed, it is capable of meeting the challenges of the future. Then, in the end, we talked about the question of Britain leaving the Union. Here, we've made quite significant progress. Phase two may now be ushered in, but obviously, that's an even tougher piece of negotiations than we had up to now. The good news is that all 27 member states so far have put in tremendous efforts, have stood together, and I'm very optimistic that we'll continue to go forward in quite the same spirit. I would like to thank the Estonian presidency and also Jüri Ratas as a presidency for this very tough work that they put in, for the lot of effort that they put in on the digitalization issue. I'd like to thank Michel Barnier, who pursues these negotiations on Brexit together with Jean-Claude Juncker and has made tremendous progress. And now I come to the end of my remarks. Merci beaucoup, Madame la Chancelière. Thank you very much, Madame Chancellor de Angela. Pour vos mots au début de cette conférence de presse auquel je suis extrêmement sensible, et je veux en effet avant tout ici dire la tristesse, la profonde émotion de la nation française après le terrible accident survenu hier soir dans les Pyrénées-Orientales. Je veux ici dire aux familles de toutes les victimes la solidarité et les condoléances de la nation et leur dire que l'État et les services de l'État font tout pour être à leur côté. Je veux ici aussi remercier non seulement le gouvernement qui s'est mobilisé dès après l'accident terrible, mais l'ensemble des services de l'État qui, pour soigner, pour tout de suite réagir, pour encadrer les enfants, et je pense aussi au personnel enseignant ce matin, ont été présents et au rendez-vous. En tout cas, merci pour vos mots. Nous venons d'achever un Conseil européen important et la chancelière vient ici d'en retracer les grandes lignes. Et en effet, ce sommet n'était pas uniquement consacré au Brexit. Nous avons passé une phase et je partage totalement ce qui a été expliqué sur les décisions prises sur le Brexit et tous les enjeux. Nous avons su sur ce sujet maintenir l'unité des 27, l'intégrité du marché unique et le respect de nos règles communes. Et nous veillerons dans la deuxième phase à maintenir ces mêmes principes. Et je veux ici aussi m'associer au remerciement de la chancelière à l'égard de Michel Barnier et de la bonne négociation de première phase. Mais je ne voudrais pas que l'on résume ce sommet, ce dernier sommet de l'année, à ce simple enjeu. En 6 mois, en tant que président de la République, c'est le 5e sommet européen auquel je participe et c'est en soi un indice. Cela montre l'activité qui est la nôtre au niveau européen et l'intensité de ces réunions, alors même qu'il n'y a pas de crise à régler, mais bien parce que nous voulons préparer l'avenir. Et c'est ce qui d'ailleurs préside à l'amitié et la coordination entre la France et l'Allemagne. Et je veux vraiment remercier la chancelière pour la qualité du travail et des relations que nous avons sur tous ces sujets. Et comme ça a été dit, nous ne suffisons pas ensemble à régler tous les problèmes, mais quand nous ne savons pas les régler ensemble, il n'y a aucune chance qu'ils soient réglés par ailleurs. Et donc, l'amitié se marie en la matière au pragmatisme. Et précisément, cette intensité de réunion, c'est la preuve que rien n'est jamais gagné, rien n'est jamais acquis, mais que le climat de résignation se dissipe et qu'il y a bien un volontarisme commun que nous voulons ensemble promouvoir. Ce volontarisme, il s'illustre parfaitement sur les sujets de défense qu'a rappelé la chancelière. Nous avons hier donc mis en route cette feuille de route ambitieuse à 25 États membres, la coopération structurée permanente. 17 projets concrets sont déjà lancés. Le Conseil s'est aussi entendu cette semaine, conformément à notre demande à tous deux, sur la première étape du Fonds européen de défense qui permettra de financer dès 2019 des projets. Et donc ce qui paraissait impossible à beaucoup il y a un an, parce que la Commission a fait une proposition, parce que nous l'avons ensemble soutenue et nous avons largement réuni, devient aujourd'hui une réalité. J'ai pour ma part proposé que nous puissions continuer à avancer sur le plan stratégique et nous continuerons donc à avancer ensemble pour avoir une culture stratégique commune et aller encore plus loin. Nous avons aussi réalisé hier un progrès décisif en matière d'éducation, avec des engagements clairs et concrets. Le renforcement d'Erasmus, qui sera une priorité du prochain budget européen.
le développement d'universités européennes, une vingtaine d'ici 2024, et le lancement d'un processus de reconnaissance mutuelle des diplômes de l'enseignement secondaire. Et là-dessus, nous retrouvons beaucoup des propositions que nous avons également fait ensemble. C'est ce que j'avais préparé avec une concertation étroite avec la chancelière en vue du discours de la Sorbonne. Et les propositions que la chancelière a pu faire sur ces sujets ont aussi été retenues et je m'en félicite. Ce que nous avons aussi décidé sur le plan de la culture, non seulement du patrimoine, mais l'action commune à laquelle nous tenons pour justement défendre les droits d'auteur est extrêmement importante à cet égard, compte tenu de la transformation en particulier liée au numérique. Nous avons également rappelé nos engagements en matière sociale à la suite du sommet de Göteborg, avec deux clauses de revoyure, l'une en mars 2018 et l'autre en juin 2018. Et c'est la première fois que le Conseil décide avec autant de régularité d'aborder justement les sujets de convergence sociale en son sein, ce qui me paraît extrêmement important. Et le leadership européen dans la lutte contre le changement climatique après la COP23 à Bonn et le One Planet Summit à Paris mardi dernier a été aussi réaffirmé, ce qui, je crois, était important. La chancelière vient de rappeler le débat sur l'immigration. Je n'ai absolument rien à retirer à ce qui a été dit. Nous nous activons beaucoup sur les sujets internationaux ensemble et je crois que nous sommes l'un et l'autre satisfaits des avancées qu'il faut consolider. Par contre, il faut de la solidarité sur le plan interne, c'est indispensable, et on ne peut pas limiter la solidarité sur le plan des interventions internationales. Nous sommes l'un et l'autre d'accord, et nous avons une perspective, celle de juin 2018, pour des conclusions du sommet. Nous travaillerons donc ensemble pour avoir un véritable accord sur le plan externe et interne. En particulier, il y a 7 textes en discussion qui doivent trouver leur aboutissement dans cette perspective. Sur la zone euro, la discussion a permis aujourd'hui de voir l'étendue justement du sujet, à la fois de court et de moyen terme. Et je crois que ce qui est important, c'est que dans le contexte actuel, nous ayons défini des étapes de rendez-vous. Il y aura d'abord un travail des ministres de l'économie et des finances sur les sujets techniques de très court terme dans le cadre de ce qui a été arrêté. Mais nous nous retrouverons dans les prochains mois en format zone euro pour avoir un sommet en bonne et due forme qui permettra d'avoir une première discussion vraiment stratégique et politique sur ce que nous voulons faire à 5 ans, 10 ans de la zone euro. Nous n'avons pas eu depuis bien longtemps une telle discussion, elle est indispensable. Et nous nous sommes donné la perspective du mois de juin pour finaliser une feuille de route commune de court, moyen, long terme, avec la volonté que nous avons l'un et l'autre de converger dès le mois de mars, conformément à la méthode que nous avons exposée et que nous avons adoptée. Vous le voyez donc, les sujets ne manquent pas et je crois que ce conseil a été vraiment l'occasion d'avancer sur beaucoup de points. Nous avons eu aussi un échange nourri sur le sujet russe et ukrainien et nous avons pu adopter justement hier une formule très claire sur la situation de Jérusalem. Nous pourrons y revenir si vous le souhaitez dans les questions. Je veux vraiment ici défendre en tout cas la méthode qui est la nôtre et le fait qu'elle permet d'avoir des avancées. Nous débattons sans tabou des sujets, de manière prospective et sans conclusion. Nous construisons ensuite une vraie convergence de vues entre nous avec la volonté de rassembler plus largement et nous arrivons à des résultats concrets. Le 15 mai dernier à Berlin, je faisais une première visite à la chancelière et nous avons tenu notre première conférence de presse commune, c'était il n'y a pas si longtemps. Nous avions évoqué ensemble les 4 thèmes de l'Europe qui protège. La défense, où nous avions une volonté commune. Les résultats sont là et ils sont très concrets. L'immigration, nous avons relancé le débat, obtenu des premiers succès, en particulier au Sahel, en Libye, et nous sommes déterminés ensemble à agir pour avoir des succès sur le plan intérieur. Le travail détaché, et depuis le dernier Conseil européen, un accord que certains disaient impossible a été trouvé, et il devrait être finalisé avec le Parlement européen dans les toutes prochaines semaines, qui change profondément la donne. La réforme de la politique commerciale, où nous avons mis en place un dispositif de contrôle des investissements stratégiques proposé par la Commission. Nous y travaillons ensemble et il devra être finalisé pour 2018. Et nous avons aussi abouti à un renforcement significatif des instruments européens contre le dumping, réforme adoptée il y a quelques jours et qui permet de combiner notre attachement à la compétitivité, à l'ouverture de nos économies et la protection juste de nos intérêts. Plusieurs sujets très concrets progressent aussi. La force européenne de protection civile que la Commission a proposée il y a quelques jours, le projet d'agence européenne de l'innovation, une DARPA européenne que nous poussons l'un et l'autre, ou l'Académie européenne du renseignement. Et ce sont des projets qui verront le jour, j'en suis persuadé, durant le premier semestre 2018.
Donc pour toutes ces raisons, je suis convaincu que nous pouvons aborder l'année qui vient avec la même détermination et le même volontarisme, et nous aurons le même sur les sujets environnementaux, en particulier sur lesquels nous voulons agir de concert. Tout ça forme un agenda concret, ambitieux, qui avance. Et j'ai pu hier soir rappeler aussi, je terminerai sur ce point, la méthode que je propose pour les consultations citoyennes. Un document, un cahier des charges a été partagé avec l'ensemble des États membres. Et Donald Tusk rassemblera, je vous rassure, je n'allais pas faire un tel lapsus, ni ici ni ailleurs, mais Donald Tusk rassemblera les commentaires des uns et des autres pour pouvoir finaliser une méthode dans le premier trimestre de l'année prochaine et pouvoir avancer de concert sur cette démarche nouvelle et nécessaire avant l'été. Pour conclure, permettez-moi d'avoir un mot de remerciement justement pour Donald Tusk, pour Jean-Claude Juncker et pour le Premier ministre estonien Jüri Ratas, qui a conduit avec beaucoup de talent et d'engagement sa présidence, et souhaiter le même succès pour notre ami le Premier ministre bulgare Boyko Borisov, qui assurera la relève à partir du 1er janvier prochain. Merci beaucoup. Béatrice Adjage de RTL. Donc nous constatons effectivement votre volonté d'avancer ensemble. Vous êtes là tous les deux à la tribune, on voit bien le sens symbolique, mais on mesure aussi les divergences qui continuent à vous opposer sur, par exemple, l'avenir de la zone euro. Alors, pour la première fois, c'est la France qui attend la réponse de l'Allemagne, une fois n'est pas coutume. Mais est-ce que vous pensez pouvoir surmonter ces divergences d'ici juin ? Et puis, j'ai une autre question sur le Brexit. Tout le monde convient de dire que la phase la plus difficile commence. Les Européens ont su rester unis. Est-ce que cela sera toujours possible à partir du moment où on va commencer à entrer dans la discussion secteur par secteur, et avec en plus un Royaume-Uni qui rentre dans une phase d'incertitude encore plus grande depuis le vote aux communes ? Je vous remercie. Je vais vous donner mes éléments de réponse sur ces deux points avant de laisser la parole à Angela. Sur le premier point, d'abord, il faut que chacun respecte ses échéances internes. La France a été un moment en période électorale où elle ne pouvait pas prendre certaines décisions. Il se trouve que l'Allemagne, qui a les contraintes qui vont avec son système politique, a eu ses élections et est en train de former un gouvernement. Et je veux dire ici combien le travail que mène la chancelière Angela Merkel depuis plusieurs semaines est essentiel, non seulement pour l'Allemagne, mais pour toute l'Union européenne et la zone euro. Parce que nous avons besoin d'une Allemagne forte, stable, pour pouvoir avancer. Donc, moi, je respecte profondément ce temps. Je souhaite vraiment que la chancelière réussisse ses négociations maintenant entamées avec le SPD. Je lui souhaite bon courage à cette fin et je suis absolument sûr qu'elle parviendra à trouver un bon accord. Mais donc, dans le moment où nous vivons, il est évident que la discussion d'aujourd'hui ne pouvait en aucun cas être conclusive. Parce que ça n'était pas prendre en compte le fait que la chancelière est en train de commencer un accord de coalition. Donc il faut respecter le temps de chacun. Nous avons pu échanger nos vues, nous savons l'un et l'autre ce que nous pensons personnellement, mais nous savons aussi que l'un et l'autre, nous devons prendre en compte la réalité politique de nos pays. Donc, la chancelière l'a dit, notre objectif, c'est de pouvoir converger au mois de mars. Parce qu'à ce moment-là, une étape politique sera passée en Allemagne et nous aurons une capacité à construire ensemble beaucoup plus clairement sur ce sujet. Ensuite, est-ce que je pense que nous pouvons converger et avoir des solutions communes ? Non seulement je le pense, mais je le veux. Parce que moi, je ne suis pas un théoricien de la zone euro, un commentateur. Je suis un des dirigeants, comme la chancelière, de la zone euro. Donc je ne suis pas là pour proposer des idées qui n'ont aucune vocation à advenir. J'ai dit clairement ce que la France souhaitait. Et je souhaite au maximum que nous puissions trouver des points de convergence, parce que c'est ce qui sera ensuite possible. Donc commence maintenant un travail extrêmement important, stratégique, politique au plus haut point, qui doit nous conduire à trouver justement les points sur lesquels nous sommes d'accord. Et moi, je pense qu'on peut se mettre d'accord sur beaucoup de choses si on commence en les prenant par le bon angle. Nous avons trop tendance, au niveau européen, je l'ai redit tout à l'heure, à politiser des sujets techniques et à renvoyer aux techniciens les sujets politiques. Savoir ce que nous voulons faire de la zone euro et plus largement de l'Europe,
quelles sont les politiques que nous voulons mettre ensemble, où on veut arriver à 10 ans, c'est une question qu'on doit trancher nous. C'est ça la discussion qu'on doit avoir au mois de mars. Et ensuite, il y a les sujets techniques qui en découlent. À ce moment-là, la question est de savoir s'il faut pour cela et à quel moment, selon quelles conditions. Et donc, moi, je suis sûr qu'on se mettra d'accord parce que ce sera une question de méthode, de critères de convergence, de conditions. Mais ce que je souhaite, c'est que l'année prochaine, au premier semestre, on arrive vraiment, avec cette rencontre du mois de mars qui sera très importante pour nous, à trouver des éléments de convergence sur ce sujet qui nous permettent de décider ensemble et de faire avancer la zone euro à court terme, en lui donnant des perspectives de moyen long terme. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a plusieurs décennies, nos prédécesseurs ont su voir loin et vouloir au-delà de leurs agendas de court terme. C'est ce que nous voulons faire ensemble. Pour le Brexit, nous avons passé une étape qui n'était pas gagnée. Elle était importante et nous nous en félicitons. Et nous avons réaffirmé notre volonté de poursuivre selon la même méthodologie. Nous n'aurons pas d'agenda séparé de discussion bilatérale avec la Grande-Bretagne. Et secteur par secteur, l'objectif est d'avoir pour le mois de mars des conclusions qui soient très précises et qui donnent un mandat pour cette deuxième phase très précis, justement, à Michel Barnier pour qu'il entame la négociation finalisant les nouvelles relations, enfin les relations futures entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. The question of on economic and monetary union. Well, the French president has just now told you about the fact that we are in a phase of forming a government. But once we have convergence, I can only say, well, I want this, and where there's a will, there's a way, as we say. And we will find a common solution because it is simply necessary for Europe to have one. Just remember the beginning of the EMU when the euro was introduced. There were very, very rarely common positions on how to get to a certain position. But when we discussed this, when we debated this, in the end, we found a solution. The Stability and Growth Pact, the ECB and the statutes of it, it was always sort of the Germans and the French grappling with how they wanted it to look like. And in the end, we came to a positive conclusion. The will is there, and that's what's crucial, also in the present position. And let me tell you, this is not about how to clearly define every last detail, but how to know what sort of structure we want to put in place. Jean-Claude Juncker has tabled proposals. Emmanuel Macron has elaborated this in his Sorbonne speech. I think as we have these proposals, something good will come out of it. In March, we will have made headway on this, and we will then be able for the next council to present results. Now, on Britain leaving the Union, the most difficult phase, obviously, is ahead of us, as I've hinted at previously. And it's going to be necessary also until March that those guidelines are elaborated that will then constitute the basis for Michel Barnier proposing a document on leaving that will then later on obviously have to be translated into a legal instrument which can then be adopted. That's very complicated, very complex. And I know that only as 27, only when we stand together, we will emerge from these negotiations strongly. And if each and everyone wants to go his or her own way and plays to one's own gallery and bring one's own interests to bear, then we will not come to a good and positive outcome on this. Penny Bonson, please. From the event. Madam Chancellor, present two questions addressed to you. Looking at Brexit and Britain's leaving the Union and the difficult border question of Northern Ireland, would you think that it's the best possible solution for Britain to remain in the customs union and in the single market? And what nationality ought the next head of Airbus have? Well, on the border between the Republic of Ireland and Northern Ireland, it is very clear that the Irish, both the Republic and Northern Ireland, wish for matters to be as far as possible advanced on the basis of the Good Friday Agreement. This is the basis also of the agreement that has been made. Then the technical details obviously have to be worked out.
worked out and have to be reconciled with the later agreement. It is not up to us to present wishes of Britain. Britain has to tell us what they want, and this in accord with the Irish. So that's not a question that you ought to address to us. I did not participate in the referendum, and I would certainly not have voted for Britain leaving the Union. So what we have to realize, what we have to implement, is what the Brits tell us is their wish, to the extent that this is reconcilable with our wishes and enables us in the future to have good relations with our partner Britain. Britain will decide. They have told us they do not want to stay in the single market, simply because complete freedom of movement is something that they cannot sign on to. And we said you cannot stay in single market with just three freedoms, but you have to accept all of the four freedoms. And then Airbus obviously will take a decision on its future. There are historical rules that we play by, but each and every country will be represented according to its importance and weight. I can predict that at least. Je partage totalement ce que vient de dire Angela sur le sujet de l'Irlande du Nord et le respect que nous devons à la fois la souveraineté du peuple britannique, mais à nos propres règles. Ce que je peux vous dire, c'est que de notre point de vue, les décisions seront prises afin de concilier deux objectifs. La solidarité que nous devons à l'Irlande et qui a été préservée dans la première phase, et donc le souhait du Premier ministre irlandais qu'a rappelé la chancelière à l'instant, et l'intégrité du marché unique. Nous veillerons au respect de ces deux principes. Et ensuite, il faut trouver les bonnes méthodes et le bon chemin. Pour Airbus, il y a des décisions de gouvernance qui sont à prendre au niveau du conseil d'administration de l'entreprise. Nous, nous sommes vigilants parce que nous sommes actionnaires, clients, support à l'export. Et je crois que nous pouvons dire que nous sommes très vigilants l'un et l'autre à ce que les meilleurs standards de gouvernance soient respectés sur ce sujet. Et nous prendrons donc les meilleurs en veillant à ce que des équilibres, comme l'a dit la chancelière, entre les différentes nations soient respectés. Mais c'est avant tout cet objectif qui sera le nôtre, en poursuivant l'intérêt de la compagnie. Bonjour, Hélène Fouquet pour Bloomberg. Une première question sur la Pologne. Il semblerait qu'une procédure de sanction devait être engagée dès la semaine prochaine. Soutenez-vous cette procédure ? Soutiendrez-vous cette procédure ? Et Madame Merkel, est-ce que vous craignez qu'en Allemagne, les entreprises allemandes s'opposent ou qu'il y ait une forte opposition de la part de ces entreprises dans votre pays ? Je me permets de revenir sur Airbus. Naturellement, car c'est une entreprise européenne majeure dans laquelle les États sont actionnaires, vous avez quelque chose à dire. Est-ce que vous souhaitez que les États reviennent au board de façon à pouvoir avoir une prise directe dans une entreprise qui, semble-t-il, a eu beaucoup de problèmes de gouvernance, des problèmes potentiellement de corruption, parce que qui n'avance pas recule. Et donc, en ce moment, Airbus, c'est plutôt ça recule. Merci beaucoup. Sur le premier sujet, j'ai toujours dit, moi, je soutiendrai les initiatives prises par la Commission européenne à chaque fois qu'elle défend la cohérence de nos règles et le respect de l'état de droit. Et là-dessus, il n'y aura aucune forme de complaisance. Je ne suis pas au fait des dernières discussions entre la Pologne et la Commission européenne. Je pense qu'il faut que ces discussions puissent aboutir. Si elles aboutissent à une situation où la Commission européenne jugera qu'il faut déclencher la procédure que vous évoquez, à ce moment-là, nous aurons une position très claire et constante, celle de soutenir la Commission. Je souhaite pour ma part que la Pologne puisse faire les efforts nécessaires ou lever les ambiguïtés qui persistent et puisse pleinement rassurer à la fois la Commission et tous les États membres. J'ai plutôt la perception que c'est l'intention du nouveau Premier ministre qui était avec nous autour de la table hier soir et aujourd'hui. Et donc je pense qu'il faut laisser une chance à ces discussions et ces aménagements dans les prochains jours. Le deuxième point sur Airbus, je le redis très clairement, je pense que la solution n'est pas que les États, comme vous dites, reviennent board. Nous avons, Allemagne, France, Espagne, construit la gouvernance actuelle, où nous sommes dûment représentés, mais pour avoir une gouvernance d'entreprise. Je ne me prononcerai pas sur des enquêtes administratives et judiciaires qui sont en cours, y compris les enquêtes internes. Mais nous, nous avons à veiller, évidemment, à nos intérêts stratégiques et à une gouvernance qui se doit d'être exemplaire. Et donc j'attends du board les clarifications nécessaires et indispensables et les évolutions sur le plan à la fois du management comme des règles de fonctionnement dans les prochaines semaines.
nous serons intraitables sur ce point, mais être très exigeant ne signifie pas vouloir s'immiscer sur le plan politique ou redevenir des éléments de la gestion au quotidien de l'entreprise. On the activities of the Commission, to which, well, the Commission considers itself to be forced to resort to, I hope that we will be able to actually, that talks can be held with the new Prime Minister, which will then make it unnecessary to pursue these procedures. But should the Commission put this forward, should they feel it necessary, then obviously we Germans will also support it. And but I will do everything I can in order to work together well with the new Polish Prime Minister. Poland is a very important partner in the European Union. The better cooperation with Poland, the better for the whole of Europe. On Airbus, I can only second what Emmanuel Macron has just outlined. We come to the last question, Markus Preis from the from ARD, First Television. Madam Chancellor, on the issue of reform of the Eurozone, there is one issue that resurfaces time and time again, namely creating more investments. What do you think ought to be the dimension of this investment package? The French president talked previously about several percentage points of the GDP, and together with the French president, what do you think is the point from which you would like to depart for a new kind of union, what you outlined in the Sorbonne, or what the Commission has already put on the table? Well, says the Chancellor, I've already said that within the Eurozone, we ought to have possibilities to see to it that money and conditionality is integrated better and is made contingent upon each other more in the interest of competitiveness. I will not preempt here talks that we will later on have once our government is formed. A lot of this is can be seen as a sort of process. There has to be an entry point, then there will be a process, a development, and also a point which is your goal in the end. But competitiveness and coherence, convergence, the Eurozone members trying to converge, becoming stronger. That is what, after all, Jacques Delors was after in the past when he outlined his view of the future of the Eurozone. Money alone will not necessarily solve that problem. I have to look at governments, I have to look at best practices, I have to look at the best of results that others maybe other models have brought about. And the whole of our economy, after all, is undergoing a transformation. I think many people underestimate still the importance of digitalization and the impact it will have on our economy. So I think against the background of this, in talks, we will have the possibility to find solutions to this. Sur la deuxième, vous savez, les choses sont suffisamment complexes pour être au moins clair avec soi-même. Si j'ai exprimé quelles étaient mes positions, c'est bien parce que ce sont les miennes. Donc moi, j'arrive en discutant, en partant d'une position que j'ai exprimée lors du discours de la Sorbonne. Et si vous avez justement écouté ce discours, ou si vous l'avez lu, vous aurez vu que je n'ai pas dit ma priorité, c'est d'avoir une capacité budgétaire de la zone euro avec plusieurs points de PIB de capacité. J'ai dit, il faut qu'on ait une approche par les finalités, comme vient de le rappeler la chancelière. Et j'ai dit, il faut qu'on construise une Europe de la souveraineté, de l'unité, de la démocratie. Ce qui rejoint, ce qui retrouve d'ailleurs, pour partie, le triptyque de Jacques Delors, qui était celui de la coopération, de la convergence et justement de la compétitivité. Mais si on veut avancer sur une Europe de la souveraineté, ça veut dire qu'on doit avancer, comme nous sommes en train de le faire, sur la défense, sur le sujet des migrations, sur le sujet du numérique, sur le sujet de l'environnement et de l'agriculture, sur les sujets commerciaux et sur les sujets d'investissement dans l'union économique et monétaire. Sur chacun de ces sujets, si nous avons une ambition, ce sont à la fois des réformes pour créer plus de convergence, mettre parfois des politiques en commun, mais aussi pour financer des politiques communes. Et donc, ces finalités communes, immanquablement, pour celles et ceux qui les partagent, vont conduire à penser des capacités à investir en commun. Quel est le sens d'une politique migratoire et d'une politique de défense qu'on mettrait en commun si on disait « Non, moi je mets rien de plus dans le pot commun, ça ne m'intéresse pas ». Ce serait des mots. On voit bien ce que nous sommes en train de faire sur la défense. On fait des projets, on est 25, et puis on dit « on va ouvrir un fonds ». Donc une forme de capacité budgétaire. Donc il faut plutôt que de le penser et se crisper sur la nature de l'instrument, sa gouvernance, sa taille,
Sa taille, elle viendra avec notre ambition et notre capacité à avoir une vision commune. Si, sur les 6 points que j'ai évoqués, nous n'avons pas de vision commune, il n'y aura pas nature à avoir quelques budgets que ce soit, ou de la zone euro, ou d'une avant-garde européenne, ou d'un budget un peu plus établi. Si, par contre, nous avons une ambition commune sur ces 6 points de souveraineté, alors oui, on va, à chaque fois, vous voyez, créer des fonds, des politiques de financement. Regardez, de fait, c'est ce que nous sommes en train de faire. On crée ce fonds fiduciaire pour la Libye, on met de l'argent en plus. On crée un fonds européen pour la défense, on met un peu d'argent en plus. Vous allez voir vous êtes en train de voir se dévoiler sous vos yeux ce qui va s'appeler une capacité budgétaire. Quand nous aurons une vision claire de l'ambition où nous voulons aller, nous pourrons en définir la juste taille et les justes mécanismes de gouvernance. C'est comme ça que je prends le sujet. Je ne le prends pas par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire par le sujet technique, la taille, etc. Parler d'un instrument avant de savoir ce qu'on veut en faire, c'est la meilleure façon de ne jamais construire un instrument. Je préfère qu'on se dise jusqu'où on veut aller. Et moi, j'ai le sentiment qu'avec la chancelière, on a une idée assez claire de là où on veut aller, de nos ambitions communes. C'est ce qui me rend optimiste. Ok, danke schön. Merci à vous. Bonne fête de fin d'année. Ein frohes Weihnachtsfest. So, und bis. Bitte schön.